足跡を辿ってきた。Salut tout le monde, c'est Perry Hammer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 30 de notre aventure sur Sword Art Online Lost Song. Peut-être épisode final, les amis. Je sais, ça fait depuis 5 vidéos que je vous dis ça. Même si là, on est quand même bientôt, très bientôt à la fin. Donc, résumé de l'épisode précédent. L'épisode précédent était, disons, le boss final. Là, c'est un peu de l'annexe. C'est du, disons, vraiment clore, quoi, le principal, même si c'est vraiment plus du principal, on n'a qu'à dire. Mais je veux le faire, parce que je veux absolument voir s'il y a une vraie fin, s'il y a un vrai final, même s'il y en a eu un. Donc, on a affronté Steven, qui est le dernier boss, qui est le boss final. Nous avons réussi à réconcilier les deux sœurs, et on a donné rendez-vous à Rain, qui nous attend dans les plaines. Donc, les plaines, c'est où elle... Wildlings, l'île aux plaines. Donc c'est parti. Allons la chercher. Parce qu'on a à lui parler justement. On veut qu'elle se reconnecte. Et justement elle nous a envoyé un message pour dire qu'elle est connectée. Parce que rappelez-vous, Rain nous a dit qu'elle ne veut plus se connecter. C'est fini. Sumeragé aussi a dit c'est fini aussi, mais il va voir. Mais Rain elle est bien décidée à me punir, et aussi elle a pas encore dit qu'à Steven qu'elle est sœur avec elle. Donc comment ça va finir? Je me le demande. Et la voici, notre très chère Rain. C'est quoi? De New York? Salut! J'ai failli attendre. Je veux me battre en duel contre toi, Rain. Voilà ce que j'attendais vraiment. Kaito, je me fais peut-être des idées, mais je suis prêt à parler que tu es forte. À part... Ah oui. Encore plus forte que le général Eugène ou Sumeragi. Hein? Tu rigoles? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Déjà, tu fais toujours cette tête quand tu mens. Tu as survécu à Sao par tes propres moyens, et tu as continué à gagner de l'expérience sur Halo. Après tout ça, je pense que tu nous as jamais montré ce que tu sais vraiment faire. C'est vrai. Décidément, ta capacité de déduction m'étonnera toujours. Et tu as vu juste. Ah, des gens comme toi. Mais après ça, je n'aurai plus rien à cacher, vraiment rien. Ah oui. C'est génial. J'adore jouer avec toi. On se croirait dans le monde réel. C'est ce que je me dis aussi. Alors, tu es prêt à me montrer ce que tu vaux vraiment? Carrément. Jetons à l'invitation au duel. Mode défaite totale, ça te va? Aucun problème. Eh bien, on va affronter Rain. C'est tellement bien les duels, franchement. Les duels, c'est le truc de Sword Art. C'est le symbole de Sword Art, les duels. Je dis bien Sword Art, hein, pas Alchem, pas... autre chose, même si dans Alchem, il y en avait dans l'animé. Wow, impressionnant, Rain. Pour les poches, c'est bon. Oui, elle est pas mal, hein. Elle se bat bien. Oh.
Tiens! この魔法を使えば私の手から離れた状態でも遠隔操作することができる。それでこの魔法の呪文を完成させて戦闘に応用したんだ。しかもこの剣は全部エンシェント運魂級なんだ。どれもこれも一筋縄ではいかないよ。そしてこの剣たちが雨のように相手に降り注ぐ。え、ちなみに、ちょっと待って。 Celle-là aussi, je laisse technique, mais je l'utilise jamais. Waouh! Ouais, ça va vraiment bien! Je suis impressionné. Je pourrais pas Rain aussi puissante en fait. Allez, je l'ai presque. Oh, il m'a percé ma défense. C'est coriace, Rain. Tiens, c'est fini. Jeté. Et voilà, je l'ai. Wow, impressionnant, je croyais que j'allais te battre en 2 secondes, mais... Tu te souviens de la condition que je t'ai donnée avant qu'on commence à se battre? On avait dit que si je gagnais, tu devrais faire quelque chose pour moi. Je... Non, inutile en air plus. Kirito, qu'est-ce qui te prend de me faire venir ici d'un coup? Ah, Rain. Rain, je sais que tu as pris une décision, mais n'essaye pas de mentir. Tu comptais lui avouer la vérité. Je t'ai dit que je le ferai un jour, non? Mais pas maintenant. Hein? De quoi elle parle? Je n'ai peut-être pas le droit de m'en mêler, mais vu que c'est une affaire privée, qui ne regarde que vous deux. Mais je veux que tous mes amis soient heureux. Tu m'énerves à vouloir toujours te mêler de tout. Mais... D'accord. J'ai accepté tes conditions après tout. Seven, je peux te dire quelque chose? Vas-y. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais... Steven. Non, Rainbow. Tu es ma petite sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis fille unique. Non, tu te trompes. On vivait en Russie quand on était petite, mais on a été séparés quand nos parents ont divorcé. Tu n'as pas de mère, pas vrai? Non. Papa t'a emmené aux États-Unis et moi je suis allé au Japon avec maman. Privyet, Dovoznoy, Dovendonia. Tu utilises souvent ces mots, pas vrai? Oui, mais quel rapport? C'est du russe, c'est moi qui te les ai appris avant qu'on quitte la Russie. Mais tu étais toute petite, tu ne dois pas t'en souvenir. Attends, si... Je m'en souviens. Oui, c'est ma sœur qui m'a appris ces mots. C'était toi? Je me suis toujours demandé pourquoi je disais ça, mais je m'en souviens enfin. Tu es vraiment ma sœur? Oui, c'est bien moi. Ma grande sœur. Ah, c'est magnifique. Je suis si contente qu'on se retrouve enfin. Je m'appelle Nijika Karatashi. Et je suis ta sœur, Rainbow. Je m'appelle Rainbow Archavine. Nijika, ma grande sœur. Rainbow, je suis désolé d'avoir mis si longtemps à t'avouer la vérité. J'aurais dû te le dire tout de suite. Non, c'est moi qui dois m'excuser. C'est toi qui m'as arrêté après tout. Nijika. Je suis content pour vous deux, Rain Steven. Je me sens si bien dans tes bras comme avant. Je crois que c'est la preuve qu'on est vraiment sœurs. C'est peut-être ça le véritable Cloud Brain, Steven. Oui, tu as raison. Merci, Kirito. Rainbow, un jour, je te rendrai visite aux États-Unis. D'accord, je t'attendrai.
C'est magnifique. Au fait, Rain, je sais que tu vas être occupé à essayer de réaliser ton rêve. Mais si l'envie te prend, passe nous voir sur Halo, même si c'est juste une fois de temps en temps. Je peux ? Enfin, je ne sais pas si ton groupe veut jouer avec une monteuse. Bien sûr que si. Bon, d'accord, je reviendrai. C'est pas un mensonge cette fois. Pas du tout, c'est promis. Super, on t'attendra chez Agile. D'accord, merci Kirito, merci du fond du cœur. Avec les retrouvailles des deux idoles, le rideau se ferme sur notre combat. Mais ça ne veut pas dire qu'on a terminé avec Svartalfheim. On se connecte à Halo tous les jours pour profiter comme toujours de ce monde d'ombre et de lumière. On avait raison à propos des problèmes de difficulté. Il y a des maintenances régulières désormais. Quand j'ai commencé Alfheim Online, quelqu'un a parlé de la lumière et l'ombre des vers MMOI. Ça décrit parfaitement ce monde imprégné de mythologie nordique. Svartalfheim, le monde de la lumière et des ténèbres. Un monde qu'on ne peut pas comparer à Sao, parce qu'on peut vraiment y jouer sans crainte. Ce monde a donné lieu aux retrouvailles des deux sœurs qui personnifient sa lumière et ses ténèbres. La cadette au centre du monde et l'aînée qui observait dans l'ombre. Deux cœurs unis. Ah, c'est beau ces mots, c'est magnifique. Les terribles événements qui se sont produits dans Sao ont marqué un tournant majeur dans ma vie. C'est vrai, moi perso j'aurai un événement comme ça, je serais choqué à vie, mais... De même, les gens que j'ai rencontrés et les combats que j'ai menés à Svartalfheim font partie intégrante de moi. Rain, la sœur en mille épées, s'est tournée vers la lumière et a disparu, mais je sais que je la reverrai. La petite qui était tombée dans les ténèbres doit être en train de s'amuser en riant avec insouciance. Ces deux-là nous chanteront de nouveau leur chanson de lumière et d'ombre. Et je serai là pour l'entendre. Sword Art Online Lost Song. C'est magnifique. C'est magnifique ces mots. Franchement. Je trouve que c'est magnifique. C'est pas encore fini. On a fini la quête principale, mais il reste encore plein de zones à explorer et de quêtes secondaires à faire. Allez au travail. Ouais. Rain peut maintenant utiliser la COO Déluge d'épée. Qui a été obtenu le costume Avatar Feludens. Ah! L'option Nouvelle Partie Plus a été ajoutée à l'écran titre, elle vous permet de recommencer le jeu du début tout en conservant le niveau de vos personnages et les objets de vos données de sauvegarde existantes. Vous avez débloqué l'arène Schwertschild. Oh. Intéressant. Merci beaucoup. Priviet Kirito, je ne t'avais pas rencontré. Je ne me serais pas rappelé que j'avais une sœur, j'aurais continué à vivre avec une partie de mon cœur en moins, mais grâce à toi, je l'ai retrouvée. Encore merci, Kirito. Steven. Ah, et du coup, les amis, si je me trompe pas, la Fairy Dance, c'est... Boum ! Et voilà, c'est la tenue que je ne pouvais pas à l'intro 2, les amis, c'est la tenue de Kirito à l'intro 2. Putain, il le donne seulement à la fin, quoi. Je suis dégoûté, j'ai le seum. Donc, voilà. Un Kirito, là, il change. Hein. Là, pour le coup, c'est pas le même. Bon, c'est pas sa meilleure tenue. Perso, je préfère Kirito normal. Sans déconner, je préfère Kirito normal. Mais voilà, les amis. Nous avons terminé. Sword Art Online est fini. C'est quoi, c'est eux ? Stylé. Pas mal. Bon, ça, ça a rien à voir avec l'anime. Perso, l'anime il est pas comme ça, mais stylé. Après, nous avons quoi d'autre? Tenue originale, c'est quoi? Ouais. Ouais, d'accord, c'est la tenue originale et juste les glaces. Waouh, j'ai plein de trucs. C'est quoi ce truc? C'est quoi tous ces trucs? Voilà, maintenant il me reste que l'annexe à faire, les amis. Oh, il y a plein de trucs. Mais j'aimerais bien peut-être faire les liens du cœur, parce que moi j'ai encore plein de trucs à faire. Potion de soin, hop, 19, parfait. De rien. Donc du coup ça fait combien de temps? Ça fait 13 minutes. Donc voilà, le jeu là est officiellement terminé les amis. J'ai fini Sword Art Online Song. Ah, je suis fier de moi, premier RPG que je termine. Donc on va faire un petit peu, on va voir un petit peu ça.
Donc il y a une nouvelle partie plus, peut-être que je la ferai un jour, les amis, peut-être, on sait jamais. Donc d'abord, à parler à Filia, peut-être que j'aurai son lien du cœur, on sait jamais. Kirito! Salut Filia, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air de très bonne humeur. Hé hé, devine ce que je viens de trouver. Le plus beau lac que j'ai jamais vu. Et pas le moindre monstre aux alentours. Je me disais qu'on devrait aller là-bas tous ensemble pour se baigner. Bonne idée, ça nous ferait du bien de nous détendre pour une fois. Génial, je vais prévenir les autres. Oh, on y est! Oh, il est immense! Je ne savais même pas que ce lac existait. Moi non plus, belle trouvaille, Filia. Merci de nous avoir emmenés ici, Filia. De rien, je suis contente que ça vous plaise. Dommage que Clay et Ajin n'aient pas pu venir. Il paraît qu'ils auraient aimé nous voir en maillot de bain. Surtout Clay, il a même essayé de prendre un jour de congé pour venir. C'est bon à savoir. Venez, on va se baigner. Attends une minute, Kirito. Quoi? Tu sais qu'il n'y a pas de risque d'hydrocution dans la réalité virtuelle, pas vrai? Bien sûr, je me disais juste que quelqu'un devrait monter la garde. Il n'y a peut-être pas de monstre pour le moment, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas venir. Ah, pas bête. D'accord, je vais monter la garde, allez vous baigner. Ça ne te dérange pas? Mais non, je mettrai juste les pieds dans l'eau, ça me suffit. Merci Kirito, on va vraiment pouvoir se détendre. Je pourrais te remplacer plus tard si tu veux, tu vas t'ennuyer si tu ne fais que nous regarder toute la journée. Non, ne t'en fais pas, va t'amuser. En plus, c'est pas comme si Kirito n'allait pas en profiter du tout. Comment ça? C'est comme s'il avait droit à son propre défilé de maillot de bain privé. Hein? Kirito, ne dis pas que c'est pour ça que tu as accepté de monter la garde. Bah, mon frère est un pervers. Hé, j'avais dit ça, moi. C'est Sinon qui raconte n'importe quoi. Allons, il a bien le droit d'en profiter un peu vu qu'il nous rend service. Allez, tout le monde à l'eau. Oui, ok, mais d'abord. Rain, tu comptes rester en ton coin longtemps? Sors de ta cachette et viens jouer avec nous. Hé, lâche-moi. Hop. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Rain? Pourquoi tu te caches? Je me suis senti mal à l'aise d'un coup après avoir enfilé mon maillot de bain. Pourquoi? Il n'y a vraiment pas de quoi être mal à l'aise. Mais vous êtes tous si développés alors que moi... Oh! Quoi, tu parles de notre poitrine, mais c'est pas grave ça. T'en fais pas pour ça, regarde, finis ça, elle est compétente. Hé, hey, je suis en pleine croissance moi. Ah, elle est froide. Un peu oui, mais ça fait du bien. Il est magnifique cela, je me demande si on peut boire l'eau. Pina a l'air de dire que oui. Ah, Pina dit qu'elle est très bonne. Je parie que l'eau est assez profonde pour qu'on nage. Vous voulez faire la course? Nous toutes? Pourquoi pas? Hé, d'accord. Quoi, un concours de natation? J'avais pas fait ça depuis longtemps, ça pourrait être sympa. Ah, il est folle, c'est pas nager, c'est le pire. Je l'ai jamais essayé, moi, mais je sens que ça va me plaire. On dirait qu'elle s'amuse bien. Il y a quelqu'un. J'ai bien fait de monter la garde. Qui est là, montrez-vous. Hein? C'est un voyeur? Hey, qui tu traites de voyeur? C'est Steven. Steven, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui ai trouvé ce lac, je te ferai dire. Je comptais me détendre un peu pour profiter du calme. Tu as encore faussé compagnie à Shamrock, hein? Enfin, puisque vous êtes déjà là, je vais m'en aller. Attends, Steven, tu ne veux pas te joindre à nous? Hein? Mais oui, reste! Tu veux faire la course avec nous? Plus on est fou, plus on rit. Oh, j'ai une super idée, Kirito pourrait être le grand prix. Quoi? Excellente idée, ça vous motivera encore plus à gagner. Ça me plaît, qui pourrait résister à la possibilité de mener Kirito à la baguette? Oh, le pauvre. Et attendez une minute, on ne peut pas faire de Kirito une récompense. Ah, surtout que c'est sa petite amie. Pourquoi? C'est juste parce que tu ne veux pas qu'une autre te le pique. Si c'est ça, il te suffit de gagner, non? Comme ça, tu pourras le garder pour toi toute seule. Bon, d'accord, j'ai toujours été bonne nageuse.
Oh super, tu vas les arrêter maintenant. Bon, si la zone est partante, on peut commencer. Je vais déclarer forfait tout de suite, moi. Tiens donc, je pensais plutôt que tu aurais sauté sur l'occasion. Tu abandonnes? Alors que ton grand frère est en jeu? Oh, vous savez, la course n'est pas trop mon truc en fait. Tu ne sais pas nager, hein? Non. Bon, si toutes les autres contrôles sont prêtes, mettons-nous en position. Premier couloir, Lisbeth. Hé, la victoire est à moi. Deuxième couloir, Azuna. Pas question que je perde. Troisième couloir, Silsa. Je ne vais pas me laisser faire. Quatrième couloir, Sphère. Je vais garder Kirito pour moi toute seule. Cinquième couloir, Sino. Le prix ne m'intéresse pas, mais je refuse de perdre. Oh, c'est méchant, ça. Sixième couloir, Fia. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Septième couloir, Sylvan. Hey, je vous réserve une surprise, c'est moi qui vais gagner. Huitième couloir, Rain. Je ne suis pas sûr de savoir nager. Neuvième couloir, Yui. Ah, genre, Yui est parti. Je ferai de mon mieux. Dixième couloir, Yuki. Oh, purée, mais... Yeah. Oh, mon Dieu. Je joue toujours pour gagner, Kirito sera à moi. On sera les arbitres Kirito et moi, voilà les règles. Compétence et magie interdites, la première à faire l'aller-retour d'ici jusqu'au rocher au centre gagne. Bon, mettez-vous en position, à vos marques, prêtes, partez! Elles sont parties. Azuna prend la tête, il faut dire qu'elle a un avantage de taille étant une ondine. Ah, les ondines, c'est lourd en plus. Les ondines sont les meilleurs pour tout ce qui est activité aquatique, c'est gagné d'avance. On parle pas trop vite. Pourquoi je ne peux pas nager plus vite? Eh, hey, pour une fois, ta poitrine n'est pas en tâche, à plus. Eh, hey. Ouais, tu es sacrément rapide, c'est ça. C'est un peu vexant, mais ça peut nous permettre de gagner, tant pis. Attends un peu, Azuna. Par contre, je vais rien. Eh, tu aurais dû te méfier. Liz, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire sur mes lanières. Tu ferais bien de les rattacher avant d'en mettre plein la vue à tout le monde. Hein? Ah! Mais non, je rigole, on ne peut pas faire ça dans le jeu. Dans ce jeu, rappelle-toi, enfin bye bye! Liz! Ah, je me noie! Comment c'est possible? Elles sont en train de me semer, je ne comprends rien. Ça devrait pourtant être du gâteau avec cette bouée. Hé, hey, j'ai pris une bonne avance à part à fond les rochers. J'en serais plus de la moite. Qu'est-ce qui se passe, Julia? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de ventouille. Une ventouille? Ah, Julia, n'y touche pas! J'ai déjà. Qu'est-ce que. Un tremblement de terre? Hé, hey, il y a quelque chose au fond du lac! Quoi? Une pioche géante? Ah, il m'a attrapé dans ses tentacules! Hé, hey, lâche-moi! Ah, bah les pattes avec tes ventouses, mon gros! Qu'est-ce que. Ah, je peux plus bouger! Mais lâche-moi, tu sais qui je suis au moins! Steven! Ah! Ah! Il faut que je sorte mon arme! Ah, je peux pas m'équiper de mon arme! Ou comme ça! Laisse-nous tranquille, vilaine pieuvre! Lui, attention! Ah! Maman! Qu'est-ce qu'on fait? Elles ne pourront pas s'libérer tant qu'elles calculent toutes seules. On va les aider, la pieuvre ne pourra pas nous attaquer tant qu'elle les tient. D'accord, on va viser la tête et en finir vite. Ah! Ifa, attends, ne l'attaque pas le front! Hein? Ifa aussi. Ah, mes yeux! Tougou, ça va? Oui! Mais je vois plus rien. Mince, elle a eu Sugu aussi. Tu es seul à pouvoir nous sauver, papa. Attaque l'arrière de sa tête. Elle te verra pas. Compris. Ah, boum. Bravo, papa, tu as réussi. Tout est bien que fini, bien. Merci, Kirito. J'ai cru que c'était la fin. Re tout le monde. Donc désolé pour cette coupure brutale, les amis. Ma caméra n'avait plus de. Enfin non, c'était Laver Media qui avait plus assez de place pour enregistrer de films, enfin de vidéos. Donc en réalité, sinon tu m'étonnes.
Cette sale pieuvre va regretter de s'en être prise à nous. Je vais ramener Shamrock ici et ça va barder. Mais Kirito l'a déjà battu. Ça devait être la gardienne de ce lac, non? En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis bien amusé. Tu veux rire? Regarde-moi, je suis couverte d'encre de la tête aux pieds. Mince, dire que j'étais à deux doigts d'avoir Kirito pour moi toute seule. Mais... Ainsi se termine la plus grande course de natation de tous les temps. Je ne risque pas de dire ça aux autres, mais je suis content que ça soit fini comme ça. Heureusement que personne n'a gagné. Ça, sinon ça aurait été bataille. Ça aurait été baston. Donc on va continuer un petit peu les amis. Alors j'ai un petit peu réfléchi dans mon coin. Est-ce que c'est les derniers épisodes ou pas? Je veux jouer. Tu les as toutes vues en maillot de bas, hein. Raconte, c'était qui la plus canon? T'as pris des photos? Dis-moi que oui. Je dirais que Strea a le meilleur style, mais Lifa a de sacrés atouts elle aussi. J'aurais dû envoyer balader mon boss et prendre ma journée. MDR. Et ouais, ça aurait été pour toi, Clay. Moi, j'avoue, ouais, Lifa, c'est la plus belle. bon, alors je disais, ouais, j'ai un peu réfléchi. Donc, alors ce que je voudrais faire avant de conclure mon pèlerinage sur Sword Art Online, je voudrais obtenir tous les liens du cœur. Donc, nous avons celui-là de Stelisa et de Lifa. Je voudrais obtenir les autres. Donc, on va essayer de les obtenir. Là, peut-être que les liens du cœur sont là, les derniers. Là. Donc, il y a certainement un lien du cœur d'Azuna. Ça, c'est obligé qu'il y en ait un, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Kirito! Oh non, tu m'as vu! Je pensais juste à Yuki, je suis vraiment contente que ça soit bien terminé. Ah, je comprends. Oui. Ah, monde réel. Bien, essayons de lire ce passage. Yuki, si tu veux bien commencer. Oui, tout de suite. Ah, je vois que tu n'as toujours pas l'habitude. J'y peux rien, ça me rend nerveuse quand il s'adresse à moi. Yuki, pardon, alors voyons. Azuna et moi sommes devenus plus proches des Sleepy Knights. Ensuite, j'ai demandé l'aide des autres élèves de ma classe pour réaliser le rêve de Yuki. Aller à l'école avec nous. Maintenant, Yuki suit les cours à l'aide d'un transmetteur qu'Azuna porte sur ses épaules. Il se connecte au réseau de l'Amusphère qui permet à l'utilisateur de voir, d'entendre et de parler à distance. Yuki peut donc rester en immersion dans son Medicloud, Medicuboid à l'hôpital tout en suivant les cours avec nous. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de rendre vos devoirs demain. Ah, j'y suis crevé. Ah, moi aussi. Ça faisait longtemps que mon cerveau n'avait pas autant travaillé, mais j'adore ça. Encore merci à Zuna. Mais de rien, bon, on rentre. Ça marche. Donc ça, c'est l'un des derniers épisodes de S2 de Sword Art. Merci de m'avoir attendu, Kirito. Salut Azuna, salut Yuki, comment ça se passe avec vos transmetteurs? Aucun problème. Génial. Alors, tu ne vas pas me demander comment je vais, moi? Ah, pardon, comment ça va, Yuki? Eh bien, déjà, ma santé s'améliore. C'est vrai? Je ne peux pas encore quitter la pièce stérile, mais le virus s'affaiblit et mon état est bien plus stable. On m'avait dit que je n'avais que quelques mois à vivre, mais on dirait que je vais tenir plus longtemps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu savais comme ça me soulage. Azuna, allons, pas la peine de pleurer. Désolé, j'étais tellement heureuse à l'idée de pouvoir passer plus de temps avec toi, je n'ai pas pu me retenir. Azuna, je suis vraiment contente de pouvoir continuer à jouer avec vous tous. Il reste un tas d'endroits qu'on n'a pas encore vu à Sword Art Online. C'est vrai, on va pouvoir vivre encore plein d'aventures ensemble. Ça me va. Oh, on dirait que la batterie du transmetteur est presque morte. Bon, je vais vous laisser. N'oublie pas de faire les devoirs. Ah, je vais essayer. Ah, ok, à demain. A plus, Yuki. Salut. Kirito, je ne sais pas comment te remercier d'avoir permis à Yuki d'assister au cours avec nous. Mais de rien, ça faisait partie de mes recherches pour un projet, mais il faut que je règle ce problème de l'ail. Au moins, Yuki est vraiment contente, enfin, elle aimerait bien pouvoir participer au cours de sport aussi. Il va me falloir du temps pour améliorer la réaction du transmetteur en mouvement brusque. Ça peut attendre. L'ère virtuelle ne fait que commencer, les recherches actuelles pourraient nous offrir des possibilités limitées. Et ouais, nous, il commence. Avec les VR. Un jour, je crois que le monde réel et le monde virtuel seront totalement liés.
Et quand ce jour viendra, Yui pourra enfin être notre vraie fille. Ça serait génial. C'est pour ça que je vais y participer, je vais étudier la technologie et faire de cet avenir une réalité. Hé, Kirito, tu as un petit moment? Oui, j'ai toujours le temps pour toi. Merci, tu peux m'attendre dans ta chambre? Ah ok, en réel. Enfin, en virtuel. Ah, te voilà, alors qu'est-ce qui se... Oula! Kirito. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, ça va te paraître soudain, mais... Je n'arrête pas de me disputer avec ma mère ces derniers temps. Elle disait que si je restais dans cette école, je ne pourrais jamais faire mes études dans une bonne université. Et que je ne ferai jamais rien de ma vie, et je continuerai de fréquenter les élèves qui vont dans ce genre d'école. Elle voulait m'envoyer dans une meilleure école. Je n'arrêtais pas d'y penser, je ne savais pas pourquoi elle refusait de comprendre. Alors c'est pour ça que tu avais l'air déprimé. Oui, désolé de ne pas t'en avoir parlé avant. Mais ensuite, Yuki m'a dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer uniquement par les mots. Et je me suis rendu compte quand je n'avais jamais dit à ma mère ce que je ressentais vraiment. Je lui ai dit très clairement ce que je pensais de son idée de me faire changer d'école. Et là, elle a compris. Je vois, ça me rend triste que tu aies dû surmonter ce problème toute seule. Mais il le fallait. L'Asuna dont tu es tombé amoureux, c'est celle de Sao, celle qui est forte. J'avais peur que tu ne m'aimes pas si je te montrais mes faiblesses, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. C'est vrai que je suis tombé amoureux de toi quand je t'ai rencontré sur Sao. Mais que tu sois Asuna l'éclair ou simplement Asuna Yuki, tu es toujours la même à mes yeux. Tu as le droit d'avoir des moments de faiblesse, je suis là pour te soutenir. Alors s'il te plaît, ne me cache plus tes problèmes. Kirito, merci. Hey Kirito. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Mais je sais que je veux vivre de manière à rendre les autres heureux. Je veux être quelqu'un qui soutient celui qu'elle aime et qui sera toujours là pour lui quand il arrive. Je ressens la même chose. Tu veux bien rester avec moi pour toujours? Bien sûr, Kirito. Je t'aime. Ah, c'est pas beau ça. Lien du cœur, Asuna. Ça y est. Voici le troisième lien du cœur, les amis. Donc, ok. Donc, je pense que les derniers liens du cœur, on va les avoir là. Donc là, ça fait 21 minutes, je crois. Alors ça, c'est quoi ça? Voilà, Reine Schwarzschild, les joueurs peuvent faire du JCJ ici. Ah ouais? Bizarre. C'est quoi ce truc? Non, oh, ça ressemble à la reine de Sao, ça. Et c'est quoi le JCJ? C'est le combat en duel, là, contre un humain? Partez, parlez à l'adversaire que vous voulez affronter et défiez-le. Règle, mode défaite totale, pas de limite de temps, ni de restriction d'armes et magie ou d'objets. Le premier à réduire les PV de l'adversaire à 0 gagne. Vous remportez peut-être une récompense si vous gagnez. Si votre inventaire est plein, vous devrez faire de la place avant de commencer. Ah ouais, d'accord, c'est un autre combat, intéressant. Intéressant, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste les liens du cœur. Mais ça, c'est très intéressant. Ça, pour le coup. C'est dommage, j'aurais dû le faire pour une quête principale. Ça aurait été marrant, pour le coup. Ça, c'est quoi, ça, là-bas? Ça doit être encore... avant, d'abord, Stria. Lien du cœur, Stria, peut-être. Le combat aura lieu. Ah, peut-être plus tard. Ah, encore un combat. Et Reign? Ah, Reign. Salut, Reign. Oh. Ah, Kirito, ne t'approche pas de moi sans prévenir. Désolé, je ne pensais pas que ça te ferait sursauter comme ça. C'est juste que je n'en ai pas encore l'habitude. C'est vrai que ça doit te changer vu que tu te caches tout le temps avant. Un peu, oui. Hé, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose fonce sur nous.
Ah, te voilà, je t'ai cherché partout. C'est bon. Oh, salut Kirito, désolé, j'aimerais bien rester papoter avec toi, mais il y a urgence. Comment ça? Viens, Rain, suis-moi. Moi? Où est-ce que tu l'emmènes? Elle verra bien, je n'ai pas le temps d'expliquer. Allez, on n'a pas toute la journée. Je peux venir avec vous, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. D'accord, si tu veux. Mais sache que c'est un privilège que je te fais. Dak, merci. Ah, Sidon, pas la peine de nous embarquer comme ça. Non, on n'a pas le temps de perdre. On n'a pas de temps à perdre. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Un micro, évidemment. Vas-y, attention, il m'a coûté cher. Je l'ai fait faire spécialement par un joueur. Attends, ne me dis pas que je chante avec toi. Pourquoi est-ce que je vais te donner un micro à ton avis? Pas si vite! Tu veux que je monte sur scène devant tous ces gens, ça va pas la tête! Mais non, tu t'iras bien, tu vas faire un malheur. C'est pas ce que je voulais dire. Quoi, tu as peur de chanter? Tu m'as bien dit que tu savais chanter l'autre jour. Oui, mais... Ah, je vois, tu as le stack. Je peux comprendre, c'est une grande scène et le spectacle sera retransmis partout dans l'eau. Ok, alors, qu'est-ce que tu dirais de ça? Un masque? Ça devrait t'aider à te détendre, non? J'aurais bien aimé présenter ma grande sœur au public. Mais c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses entre toi et Shamrock. Donc il faut peut-être mieux que tu caches ton visage pour l'instant. Pour l'instant, hein. Enfin, merci. Pas à peine de me remercier. Et si tu fais une erreur, je rattraperai le coup, d'accord? Ah, d'accord. Allez, en scène. J'aurais préféré que Steven ne me demande pas d'attendre au premier rang. J'ai entouré une véritable armée de fans de Steven, je sens tous leurs regards braqués sur moi. Enfin, j'imagine que ça a dû les surprendre quand ils ont vu un gars tout en noir débarquer au premier rang. Là voilà, ouais! On dirait qu'il y a plus ça à commencer. Bonjour tout le monde, merci d'être venu assister à mon concert. Oh! Là, on dirait que le stade entier bouge des fous. Des fois, j'oublie que Steven est vraiment ultra célèbre. Steven, je t'aime! T'es la plus mignonne! Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau spectacle. Oh! Allez, rejoins-moi! J'arrive! C'est Rain? Son visage est caché par le masque, mais c'est forcément Rain. J'ai vu Steven l'entraîner dans les coulisses, mais je ne savais pas qu'elle allait lui demander de chanter. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un thé spécial. Et musique. Qui c'est cette fille masquée? J'en sais rien, mais elle chante plutôt bien. Sa voix s'accorde parfaitement avec celle de Steven. Rain a l'air de plaire aux fans de Steven. Je n'entends personne siffler ou menacer de tout casser. Jusqu'ici, tout va bien. J'aime bien cette chanson. Bon, vu que Steven m'a invité ici, autant profiter du spectacle. Merci, merci, à très bientôt. Wow. Ah, j'adore les concerts en live. On sent vraiment l'énergie de la foule. Et c'était génial de chanter avec toi, Rain. Merci d'avoir accepté, alors que je ne t'avais même pas prévenu. Mais de rien, merci de m'avoir invité. Steven, Rain. Kirito, tu nous as vu chanter? J'espère que tu as bien profité de ta place au premier rang. Ouais, je vous ai vu, vous étiez super. Évidemment, enfin, je suis contente que ça t'a plu. Mais je me demande ce qui t'a pris de faire monter Rain sur scène d'un coup. Hey, il faut bien varier un peu de temps en temps pour ne pas laisser lasser les fans. Mais surtout, j'avais simplement envie qu'on monte sur scène ensemble. Mais je ne suis pas une star comme toi. J'étais sûr que tu t'en sortirais très bien et j'avais raison. Tu as bien vu que les fans ont adoré notre concert. Mais c'est seulement parce que tu as caché mes erreurs. Oh, arrête! Essaye de voir les coups. Essaye d'avoir un peu plus confiance en toi. Tu étais une star tout autant que moi sur cette scène. Tu penses vraiment? Si jamais tu as envie de revenir chanter avec moi, n'hésite pas à me le dire. Steven. Bon, je vais devoir vous laisser, j'ai un rendez-vous important. A plus tard. A plus.
Qu'est-ce qui se passe? Une vraie star. Elle sait ce que je veux faire alors que je ne lui en ai jamais parlé. Kaito, à part chanter sur scène avec Seven, je suis plus déterminé que jamais à réaliser mon rêve. Je vais devenir une star comme Seven, je ne baisserai pas les bras. La prochaine fois qu'on montera sur scène, toutes les deux, je veux être son égal. Rain. Quand ce jour viendra, tu voudras bien venir nous voir chanter? Évidemment. Je dirai à tout le monde de venir aussi. Eh, merci. L'amulette de Seven. L'amulette de Seven? Regardez ça. Collier. Amulette de Seven, bon allez, on va le mettre, hein. Pourquoi pas? Ah ouais, d'accord, ça se voit. Non, je vais l'enlever. Ça va aller. Je me demande où il est le blason. Là, peut-être, ouais. Ok, du coup, il me reste plus que deux trucs. Donc, les amis, on s'arrête ici pour cet épisode 30 de Sword Art Online Love Song. Un petit peu plus court, donc le prochain sera certainement le dernier. Vu qu'il me reste deux quêtes à faire. C'est peut-être deux derniers liens du cœur. Donc voilà, merci à regarder. A très vite, bye bye. Sakura, 笑顔でシャラになってドライブ